Bonjour à toutes et à tous, c'est Axe45 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mario et Luigi Superstar Saga. La dernière fois, nous avions récupéré le second fragment de Végétoile, je vous le rappelle. Et nous nous dirigeons donc actuellement pour récupérer le troisième qui se trouve exactement, il se trouve... Alors, attendez, je reprends la carte, il se trouve au nord. On va aller celui du nord et on ira prendre celui dans le bois du rire en dernier. Donc nous allons déjà combattre et retrouver nos vieux réflexes parce que voilà, tente de s'y remettre un peu. Bon, ces ennemis là sont pas tout à fait de mon niveau, faut dire ce qui est. Je vais donc remonter. Hop, voilà, ça va peut-être même le one shot, tiens, ce serait marrant. Ouais, voilà. Comment gagner un combat à 32 d'expérience juste en grimpant, c'est n'importe quoi. Hop, je passe par là, et je retourne donc en ville, en espérant avoir débloqué quelque chose après tout. Château de Sodanium, l'aéroport de Vélésia, ok, donc c'est plus au nord, voilà. J'ai un peu oublié comment était la map. Alors je m'excuse, hein, putain, un peu de temps d'absence, mais bon voilà quoi, les études, on ne peut pas y échapper. Je passerai peut-être faire un tour au café dans le prochain épisode, hein, je vais pas y aller aujourd'hui. Parce qu'il me semble que j'ai de quoi faire de nouveaux cafés, mais j'ai pas eu le temps de regarder lesquels j'avais déjà fait. Donc si je peux essayer de faire tous les cafés du jeu et gagner donc tous les objets bonus, ce serait pas mal, pour éviter de refaire le même puisqu'on ne gagne rien. Donc voyons voir, est-ce que vous avez de nouveaux objets? Très mode. Non, a priori non. Et des badges peut-être? Pas de badge, ok. Bon bah tant pis. Et est-ce que j'ai des trucs à vendre moi? Alors, j'ai des champis. 30, 15, 8, 5 noisettes, 10 super noisettes, des sirops, quelques super sirops, des champis one-up, super champis one-up, un champi en or, des arbres réfléchissantes, un poivron rouge. Le poivron rouge, je peux le vendre parce qu'en fait, c'est le genre d'objet dont je ne me sers pas. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Ouais, pas grand-chose à vendre, dis donc. Hein. Hop, allez, c'est parti. Rendons-nous vers le nord. Le nord. Oui, non, pas le château en fait, c'est pas très intelligent ce que je viens de faire. On va quand même passer par la boutique champignons. Alors, pas le point info. Non, pas le point info, pas besoin. La boutique champignons, c'est celle-ci. La madame qui va nous donner quelques petits trucs sympas si elle a en stock. A priori, non. C'est dommage, bon bah tant pis. Donc, à bientôt. À bientôt. On reviendra plus tard. Tu vas sauter, Luigi, oui. Bon, bien. Oh bah non, si on me lâche des trucs sur la tête aussi, hein, ça va pas le faire. Bon. Alors, marteau. Tac, voilà, je me dépêche, j'attends pas qu'il soit chargé, puisque ça ne sert pas à grand chose contre ce genre d'ennemis. Je crois qu'ils ont 10 points de vie, un truc comme ça. 10 points de vie. Oh bah, on va faire un level up là-dessus. Voilà. Là, c'est chapeau, ça, c'est... Bravo, non mais bravo, level up. Alors, level up que je vais donc attribuer le bonus au point de vie de Mario. On a un peu de gros bonus. Ah bon, bah, bonus plus 1, tant pis. Allons donc vers le nord. Le nord qui. Valéi, château de Gésia, donc c'est de côté, peut-être, je ne sais plus. Par là. Je cherche mon chemin, donc c'est moyen cool. Ok, là il y a un truc pour entrer par ici apparemment. Que je n'ai pas activé. Là j'ai rien. Là, derrière il y a une trappe, mais je peux pas passer par en dessous. Décidément, je suis un peu paumé moi. Ah, pas le faire. Oh là 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 là, faut qu'ils arrêtent de me lâcher des trucs, il faudrait que je dégomme avant qu'ils m'énervent de trop. Mais bon, comme j'ai juste la flemme, je vais pas le faire. Je pense pas le faire. J'ai remarqué un truc, c'est que mon clavier était bruyant. Ça fait longtemps que je l'ai remarqué, hein, ça peut vous rassurer. Voilà, c'est moyen cool. Je peux passer par là. D'accord, c'est par ici qu'on accède à cette petite grotte.
pour Mario, a priori, donc. Ok. Très bien. C'est comme ça que j'ai récupéré mon premier champi or. Ok, d'accord, il y a une petite épreuve. Pas l'air... pas l'air trop compliqué. Juste un peu de skill que je n'ai pas. Voilà, voilà, voilà. Oula, mais il y a un passage là-haut. Oula, ça sentait l'arnaque, vous voyez. Je suis sûr qu'il y a un truc bonus planqué. Si on peut y aller... Ah, ce serait un passage secret alors. J'aurais peut-être débloqué une fin bonus. Oui, effectivement, effectivement. Bon, bah écoutez, je vais parler. Félicitations, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. J'ai obtenu un badge au end. Intéressant, très intéressant. Comment? Vous en voulez plus? Vous n'êtes jamais satisfait, ça suffit. D'accord, bon, très bien. Je suppose que je peux ressortir. Du coup, comme il y avait l'autre, bah, je vais refaire le trajet. J'ai plutôt bien géré sur la première fois. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que cette partie-là m'a l'air assez complexe. Voilà, bon, bah c'est passé, tant mieux. J'avais peur de me fail. Bon, ça, les petites plateformes, ça devrait aller. Celle-là aussi. Voilà. Félicitations, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. Donnez le champignon one-up. Oui, effectivement, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'était faisable de le faire deux fois. Ok. Bah, c'est très bien. Je pense qu'il n'y avait plus rien à gagner ici. Tant mieux. Donc, je viens de gagner un badge. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il apporte ce badge. Parce qu'écoutez, ça m'intrigue fortement, ça. Le badge ON booste la puissance une fois par combat. Ça m'augmente mes points frères. Par contre, ça me baisse mon attaque. Attendez, ça booste ma puissance, mais ça enlève de l'attaque. Il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc qui m'échappe grandement. Et... Je comprends pas là. Ça booste ma puissance une fois par combat, ok. Et pourquoi ça me diminue ma force alors? Ça me permet... Ouais, bah, non, c'est... Je le revendrai. À moins que dans les commentaires on me dise peut-être... Non, en fait c'est très très bien, ou j'ai vérifié par moi-même plus tard. Je pense que j'irai vérifier. Voyons voir. Ok, il n'arrive pas à valer ici. En raison des chutes de pierre, la route est bloquée dans la type d'être équipé du super marteau. Et bon, ça, ok. Voilà, je m'en fous, je l'ai touché. Comme ça, au moins. C'est bon, de toute façon, Luigi va se relever, donc a priori, il n'y a aucun problème. Voilà, la chance en plus. Tant mieux, tant mieux. Je vais y aller donc au marteau. Alors, voyons voir. Protection Luigi. Voilà. 15 de protection. C'est bon. Voilà, moi, il est en train de me casser les pieds. Mais tu veux descendre, oui? Ah, là, je vous jure. Voilà, ça c'est bon. Et ça c'est fait. Et bah, c'est nickel. Plus 8 points d'expérience. C'est franchement très rentable tout ça. Voyons voir, je sais pas du tout par rapport à la carte, faudrait que je regarde. Ouais, effectivement, je me dirige dans la direction opposée. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas. Je vais pas prendre de risques. Ouais, bah allons-y. Je sais pas du tout où est-ce que ça mène, ça. Enfin bon. Ah, trompé de touche encore une fois. Je me suis encore trompé de touche. Il y a un vieux papy. Lorsque j'étais jeune, j'avais l'esprit plein de malice. Je me souviens avoir chatouillé par derrière mon ami alors qu'il gardait de l'eau dans sa bouche pour lui faire cracher l'eau. Aujourd'hui, cela ne me dit rien, mais à l'époque, une telle chose m'amusait beaucoup. C'est en train de me dire que si j'ai électrocuté Mario après qu'il ait bu, c'est marrant. Ça m'a l'air d'être marrant pourtant. Ah, d'accord, ça transforme en arrosoir en fait. Ah, intéressant. Bah écoutez, aujourd'hui ça va transformer en un truc un peu secondaire du coup. Ça me fait pousser des plantes. Intéressant. Je suppose que je vais pouvoir naviguer de plante en plante. Je pense pas franchement que ce soit par ici qu'il fallait que j'aille. Mais bon, je pense que j'ai débloqué un badge. Normalement, je suis pas censé débloquer en temps normal. Ça m'a l'air tout à fait secondaire. Ou alors c'est pour la fin du jeu, je sais pas. J'ai jamais fini le jeu en fait. Hein, puisque c'est un. Enfin, j'avais jamais eu. De finir le jeu.
Donc je m'étais arrêté à peu près par là en fait. Il me semble pas avoir continué le jeu après ça, malgré que ce soit un de mes jeux préférés. C'est vrai que j'avais pas continué plus que ça. Tout simplement parce que j'avais eu d'autres jeux, et puis bon voilà, hein, c'est ce que c'est hein, quand on est petit, parce que vous avez un nouveau jeu, vous l'essayez, vous en avez encore un nouveau, vous allez essayer de nouveau, et puis vous allez laisser tomber l'ancien. Hein, c'est comme ça. Hein. C'est juste pour un point que je fais ça. Mais c'est un truc blanc, donc je sais pas. Je sais pas où est-ce que c'est censé mener en fait. Par où est-ce que je vais devoir monter. Enfin bon. Pas grave, de me débloquer un truc d'avoir fait pousser toutes ces plantes. Non, je les ai toutes fait pousser là, non? Oui. Oui, apparemment oui. Ah, il y a encore un bonhomme là-haut. D'accord. Ok. Ah. Ok, en fait ça servait peut-être à rien que je le fasse comme ça. Oh non, mais non. En fait, je disais, ça sert peut-être à rien de passer comme ça. Excusez-moi, c'était mon frère. L'élégance d'entrer dans une salle. Ah, vraiment. C'est rien. Je vais couper ça, je pense. Parce que sinon, c'est honteux. Hop, voilà, on va passer comme ça. On va aller le voir. Félicitations, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. Poivron rouge. Un poivron vert, c'est tout. Ça craint. Enfin bon. Bref. Je sais pas si il doit y avoir un truc là. Ouais, un poids, ok. Oh. Ah, un poids, comme je disais. Non, y'a rien ici. Hop. Alors. On va passer par là. On va prendre le dernier point. Enfin bon. J'ai ramassé des poils, donc j'aurais pas fait grand chose d'intéressant aujourd'hui. C'est moyen ça. C'est moyen tout ça. J'ai l'impression de pas avancer. Avec toutes les choses, j'ai envie de dire annexes que je suis en train de faire, alors que c'est pas du tout ce que je veux faire. Je suis en train de trouver des tas de trucs. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Et le problème, c'est que j'arrive pas à trouver. Non, ça doit être à gauche, hein, puisque a priori avec la carte, on disait que là c'était pas bon. Hop là. J'aime pas ces monstres. C'est un truc de dingue ça. Parce qu'ils ont un pouvoir d'imitation assez dingue. Mais bon, ils sont faciles à détruire. Donc ça devrait aller, mais enfin facile à détruire. Voilà, et taper bien fort. Ah, ok, d'accord, drôle de technique de combat, mais ok, ça c'est bon, ça passe, et pour Luigi ça passe largement aussi. Et voilà, deux poids, intéressant. Hop, je vais passer par là donc. Là c'est là où je suis allé tout à l'heure. C'est pas par là. Décidément. C'est pas mon jour aujourd'hui. Je ne trouve rien et ça m'énerve. Voilà, il doit avoir 30 points de vie en plus. Voilà. Hop, il a pris des dégâts. En Luigi, il va taper Mario. Et en Mario, il tape Luigi. C'est pas compliqué à savoir. Ils peuvent bien sauter dans tous les sens. Ça ne change rien. Hop là. Calme. Peut-être passer par là. Je sais pas du tout. Je suis complètement perdu là. Ouais, bon, ça doit être ici à mon avis. Je vois pas trop où est-ce que ça peut être.
une orbe électrique. Non, c'est avec. Non, mais non. Voilà. Voilà. C'est mieux. Hop, on va allumer cette orbe. Ce qui va m'ouvrir. Ce qui va m'ouvrir rien du tout. Ça m'ouvre rien du tout. Hop, enfin bon. Ok, d'accord, il y a des tas de trucs ici. Est-ce que je peux grimper ici? Bon, tu vas sauter, oui. Mais c'est n'importe quoi, cette touche. Ah, l'émulateur, c'est super bien, parce que ça permet de rejouer à vieux jeux comme ça pour pouvoir les tourner. Mais je vous promets que je tapotais comme un dingue sur ma touche. En l'occurrence, c'est la touche qui sort de B. Ouais, j'ai touché pourtant. Enfin bon. Je l'ai touché, j'ai tapoté la touche et rien n'y a fait. Alors, je sais plus si c'est une question de timing pour ce saut là, mais bon. Maintenant, je fais un peu comme je le sens. Je préfère le laisser me toucher parce que sinon il va partir dans le délire, le machin, il va rebondir dans tous les sens. Deux poids à âme, très bien. Non, ok, donc je peux pas passer par là, tout ça pour pouvoir me dire ça. Hop. Est-ce que je peux grimper directement ici? Oui, je peux grimper directement ici. Encore une cachette secrète, bah, décidément. D'un bloc à l'autre. Le bloc du jour s'appelle le bloc simultané. Si tu frappes les deux blocs là-bas en même temps, ton niveau de chance augmente. Il faut frapper les blocs en même temps, même si ceux-ci ne sont pas situés sur un même niveau. Ah, intéressant. Ok, ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Je sais pas ce que c'est comme jeu, mais... Ok, d'accord, très compliqué ça. Oula. Ouais non, en fait c'est peut-être... Non, les deux tombent. Pourquoi les deux tombent? Ah, on peut pas m'en laisser un seul. Ah. Oh. Ça va m'embêter ça. Ça va m'embêter. Non, les deux tombent. Mais pourquoi les deux tombent? Ok, il fallait passer par là en fait. Ah là là. Mais alors compliqué comme truc hein. Ok, parce que si j'en tape 15, le vrai problème c'est que ça fait rien. Ouais. Tac et tac. Voilà. Alors, non, pas par là. Technique, non, ça vient. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire en plus avec... Les deux tombent. Je comprends pas, là. Je comprends pas, ça m'a l'air très compliqué quand même comme truc. Je vais repasser avec Mario devant déjà. Peut-être comme ça. Non. Non, il n'y a pas moyen. Non, je vois pas. Ok, attendez, je vais tenter un truc.
Voilà. Compliqué en fait hein, ce truc. Tout ça pour un lapin. Eh mais j'aurais fait tous les lapins du jeu aujourd'hui, c'est pas possible. Félicitations, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. Obtenu le pantalon en laine. Intéressant. T'as autre chose? Comment vous en voulez plus? Vous n'avez jamais satisfait, ça suffit. En fait, je crois que j'ai récupéré les objets spéciaux du jeu. C'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Et le pire, bah, c'est que ça va faire 20 minutes. La cloche champi, c'était Mystère du Royaume. Et là, c'est auto-restauration des points de vie. Ah, intéressant. Par contre, perte de la défense. Ah. Auto-restauration des points de vie, ça m'intéresse. Je vais le mettre à Luigi. Et puis je revendrai une de mes deux cloches champi. Oh non, très très intéressant ce pantalon. Sympa. Pas très pratique au niveau défensif. Donc il va falloir que j'augmente ma défense avec les prochains levels de Luigi. Mais ce pantalon en laine, auto-restauration de points de vie, m'a l'air très très sympathique. Bon, en tout cas, je sors d'ici, moi. Voilà. Donc là, je suppose qu'il faut que je fasse quelque chose. Alors, attendez, je veux juste voir si je peux pas grimper là-dessus. Non, bon, attends. Non, mais non. Je faisais juste un tour, moi, c'est tout. Ah, enfin bon. Tiens. Lui, il récupère ses deux points de vie. C'est trop con comme truc. Bon alors Mario. Mais j'ai tapé là, vous êtes témoin. Le jeu me troll. C'est le jeu là. Ce qui vient c'est que la restauration avec le badge des points frères, il y a une restauration des points de vie. Bon là j'ai fait trop tôt, ok c'est moi. Mais n'empêche. Du coup moi Luigi fait plein de lumière. La lumière point frère, la lumière point de vie, c'est génial. Bon bah écoutez, hop, tant pis, je vais lui foncer dessus, puis c'est tout. Voilà, parce que je suppose que la zone que j'essaie d'accéder est ici. Comment avez-vous fait ça? On peut dire que vous êtes vraiment costaud. Effectivement, j'ai du muscle. Alors, nous arrivons dans le cinéma Yoshi. Alors, que se passe-t-il dans ce cinéma? Ben on va le découvrir maintenant, on va juste parler rapidement et puis ensuite on va se laisser. Parce que je pense qu'il doit y avoir un point de sauvegarde ici. Que je ne me trompe pas, oui ça doit être le cinéma Yoshi, hein. Dans mes souvenirs c'est le nom du cinéma. Je suis jamais allé jusque là, sincèrement je vais juste faire les deux premiers fragments de Végétoile. Donc vous voyez j'aurais fait 27 épisodes j'avais joué quand j'étais petit en émulateur comme ça, j'aurais fait environ 27 épisodes donc... Bah, je vais parler à ce bonhomme, ce qui m'a l'air bien bizarre dans son œuf de Yoshi. Enfin bon. C'est pas toi que j'ai parlé, mais... Quoi? Vous... Oh là, une minute, vous deux. Vous pouvez pas débarquer comme ça et parler à mon maître. Je suis sûr que vous êtes ici pour obtenir des sous. Comment il sait ça? Mon maître est très occupé. Il n'a pas le temps de s'occuper de vos problèmes. Allez-vous-en vite. Allez-vous-en. Et la Végétoile s'est cassée en 4 morceaux? Oh, maître, ne les écoutez pas, vous ne devez pas les croire. Ils ne cherchent qu'à vous embobiner pour vous prendre tout votre argent. Ce sont des mensonges! Mais n'importe quoi, toi. C'est une cible, ça le sent. Ok, d'accord, l'autre, il démonte son... Un esclave, arbin, serviteur. Toi, tais-toi. Mais ils ont de quoi flipper, c'est sûr. Et là-dessus, veuillez m'excuser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le visage? Quoi? Je ressemble à Barankar, le légendaire fabricant de soda? Hé, c'est parce que... Je suis... Le petit frère de... Barankar. Il fait de la danse, là. Mon nom est Bacalar. Bon, ça a encore compris que c'est de nouveau un anagramme. Un anagramme, pardon. Nous avions donc Barankar pour Carambar et nous avons Bacalar pour Calabar. Nickel. Même si ça s'écrit pas tout à fait pareil, je pense que c'est ce que c'est censé insinuer. Hein. Donc au niveau des bonbons, voilà, dans la confiserie, tout ça. C'est très inspiré les mecs de chez Nintendo quand ils ont fait le jeu, je pense. Hein.
petit frère du légendaire fabricant de soda. Comme vous le voyez, je suis assez riche pour posséder mon propre cinéma. Je suis aussi président du fan club Yoshi. Ce cinéma a été construit par un ami du peuple Yoshi pour la distraction des Yoshi. Ah, c'est une bonne cause. Alors, de quoi vous voulez-vous me parler ? Je vois, vous devez récupérer la décoration sur cette enseigne. Ouais, tu pourrais nous la donner ? S'il te plaît ? Merci. Parce qu'en fait, ton enseigne ne sert à rien. C'est bien ça, je le savais. Je trouvais que c'était parfait pour décoller mon enseigne. Mais je suis prêt à vous le donner. Ah bah, c'est gentil, ça. Non, maître. Ne faites pas ça. Il ne faut pas le donner, maître. Second try. Non, mais mon frère, il a mis de la musique. Mais j'y crois pas. Il fait tout pour me faire chier aujourd'hui, lui. Hein. Mais, il y a quand même une condition. Cette enseigne est importante. Pour le cinéma. Trouvez une autre décoration pour notre enseigne et nous vous donnerons ce truc. Excusez-moi si vous entendez la musique en bruit de fond, parce qu'il a mis des basses, mais n'importe comment, là. Voilà. Quoi, vous voulez dire des œufs néons ? Oui, je voulais changer contre les 7 couleurs de néons. C'est trop, maître. Confier une telle mission à des hommes d'un âge avancé ? Non. Un âge avancé. Non, mais tu t'es vu ? Ils sont à la trentaine, c'est tout. Enfin, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord ? Quand un Yoshi mange une certaine nourriture, il prend un œuf néon. Enfin, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc, excusez-moi, j'ai dû faire une toute petite coupure le temps d'aller baisser les basses de mon frère parce que c'était beaucoup, beaucoup trop fort. Et moi, je l'entendais, ça commençait à me pomper. Alors, j'ai vérifié sur la vidéo, ça s'entend pas. Ça n'empêche pas que moi, ça me dérangeait fortement. Donc, dans ce cinéma se trouve 7 œufs Yoshi. 7 œufs Yoshi, oui, bien sûr, oui. 7 Yoshi affamés. Alors, trouvez cette nourriture et donnez-la au Yoshi à l'intérieur. Quand vous avez un œuf néon, cela signifie que l'estomac du Yoshi est rempli. Cela signifie aussi que tout le monde est content. Nikao. N'est-ce pas ? Incroyable, maître. Votre idée d'utiliser les œufs est excellente. Vous deux, ne restez pas plantés là. Remerciez le maître. Et ensuite, dépêchez-vous de trouver ces œufs néons. Puisque vous en parlez, il y a quelqu'un dans le cinéma qui connaît bien les œufs néons. Vous devriez lui demander avec quelle nourriture les Yoshi pondent des œufs néons et où la trouver. Ce n'est pas une mauvaise idée, papy. Merci. Oui, bon, c'est pas la peine de m'en dire. Je pense que tu m'apporterais d'autres informations. Peut-être tu m'as l'air bien chiant. En plus, t'as une tête qui me revient pas. Alors fais gaffe. Bon, plein de Yoshi partout, des gens. Je parlerai à tous ces gens. Prochain coup, oui, effectivement, ils ont l'air d'avoir faim, les petits Yoshi. La légende de l'étoile, Mario et Luigi, le film, Wario en 3D. Et l'histoire de Kirby, c'est l'histoire de Kirby. Non, mais regardez ça, donc c'est énorme, ça allait carrément reproduire un cinéma en mettant des affiches de films, dont le Mario et Luigi. Bizarrement, qui lui est vraiment sorti au cinéma. Malheureusement. Enfin bon, moi je me suis fait plaisir sur cet épisode malgré les deux petits problèmes avec mon frère. Que j'aurais coupé hein, pour le premier, pour le deuxième aussi je pense. Éviter de dire des choses méchantes. Donc a priori ça devrait aller. Je sauvegarde. Et nous allons nous laisser là et vous m'entendez pianoter sûrement clavier n'importe comment en attendant. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et à la prochaine. Allez, bye tout le monde !